Le premier qui remarque et m'envoie un clip de moi qui tacle le physique de quelqu'un, je m'engage à lui commander absolument ce qu'il veut à manger. Après, peut-être que les clips sont désactivés. Tu m'as déjà taclé. Mais toi, t'es le mec bizarre qui met des écouteurs dans son nez aussi. C'est normal, je te tacle. J'ai souffert. Je vous regarde dans les yeux, je vous le dis avec le sourire aux lèvres. Mais sachez les mecs que c'était pas drôle tous les jours. J'ai souffert de mon physique. Aujourd'hui ça va mieux. Mais je sais à quel point c'est dur. Et à quel point des remarques blessent. Et je ne veux pas blesser d'autres personnes. Parce que je sais ce que ça fait d'être en boule. Dans la cour de récré. Dans une flaque de crachat. Insulté par tous les autres élèves. Je sais ce que c'est. Ils nous manipulent. Non c'est faux. C'est faux. On m'a jamais vraiment attaqué directement. Mais ça, des remarques, j'en ai mangé quand même. Ça m'appelait Franklin. Parce que ma mère, c'est une folle des études. Ma mère, elle a fait maths sup, maths P, suivi d'un master en ingénierie de l'informatique, suivi d'une spécialisation dans... Tu vois ce que je veux dire? C'est une tête de fou, tu vois. Elle s'est dit, mon fils, si c'est pas le premier de la classe, je suis une pute. Elle m'a dit ça, elle est venue me voir dans ma chambre, elle est rentrée. Elle a dit, si t'es pas premier, je suis une pute. J'ai dit, ok, je vais te faire de mon mieux, ça, je te jure. Elle m'a acheté le plus gros sac Eastpak de Auchan. Le plus gros. Il coûtait 80 euros. C'était une valise. Que moi, quand je suis rentré au collège, ce qu'elle ne savait pas, c'est que je faisais 50 cm de moins que tous mes autres camarades. J'aurais pu rentrer dans mon cartable carrément. J'aurais pu aller en cours dans mon cartable. Elle voulait que j'aie absolument tous les manuels tout le temps. Du coup, moi, je partais avec tous les manuels tout le temps. C'est peut-être pour ça que je suis petit aujourd'hui. J'étais trop lourd pour grandir. Je pouvais pas pousser vers le haut. C'était impossible. J'avais mon poids sur le dos et j'allais en cours comme ça avec mon sac à dos. Et les mecs, ils me disaient, mais tu es fou. Pourquoi tu es le gitan du collège? Pourquoi tu as ta maison sur le dos? Mais Franklin, c'est quoi cette carapace? Mes jambes, elles étaient comme ça, avec la tête baissée, et mon sac il fait ça comme ça. C'était un truc de fou. J'allais en cours comme ça. T'as Pékin Express. Et du coup, quand mes potes ils ont capté ça, ils ont inventé un jeu. Il y a un mec qui passait derrière moi, avec un sourire malicieux, et avec ses grands bras, il soulevait mon sac vers le haut. Et du coup, ça faisait que bah, le sac il montait, puis il le lâchait d'un coup sec. Mon sac était là, et moi j'étais comme ça, tu vois. J'étais comme ça sur le sol. Et je pouvais plus me lever. J'agitais les mains comme ça. J'agitais les mains, j'agitais les pieds. Mais j'étais bloqué. Tu mens. Mais non, c'est la vérité. Un scarabée, le bordel. Il veut qu'il fasse les fagots. Si jamais tu touches à ma cocaïna, il va sortir le broric et il va te tuer, puto. Cabron. C'est fou quand même de se dépasser tellement que tu tombes dans les pommes, genre. Là, il est bien. Et là, ça part en couille. Ah, ça me fume. En fait, ce qui me fume, c'est la seconde où il dépose le bail. Et il se dit, ouais, non, mais là, je vais très bien. Je vais très très bien. Et là, le cerveau, il fait, attends, il s'est passé un truc bizarre. Attends, mais il troll, lui. Je pensais qu'il trollait. Laissez tenir la barre. Naf au Royaume-Uni, il a battu par ses toquettes en 61 ce minutes. Fils de pute, il a lâché. Ah oui, celle-là. Est-ce que vous connaissez celle-là? Celle-là, elle fait péter un plomb, cette illusion, les mecs. Elle fait péter un plomb. Vous avez vu les fraises? Elles vous paraissent un peu rouges, ouais? Ouais, elles sont pas du tout rouges. Hein. Elles sont pas du tout rouges. C'est le cerveau, en fait, qui reconnaît la forme de la fraise et qui te fait croire qu'elles sont rouges, mais en fait, pas du tout, tu vois. Mais en fait, quand tu dézooms, il y a une teinte de rouge qui apparaît, genre. Je vais pas t'expliquer pourquoi, mais... T'as vu? Impossible de colorier le rouge, genre. Fais un test sur le daltonisme. Que voyez-vous? Bah, une étoile, poteau. Un rond derrière un quadrillage. Une lettre X derrière un quadrillage. Non, ce test, il rend fou. Ce test, il rend fou, The Bee. Eh, de toute façon, en vrai de vrai, ça, les filles. Vu que vous êtes féministes, on est tous égaux. Et vu qu'on est tous égaux, on a les mêmes yeux. N'est-ce pas? Préciser dans quelle direction pointe le C. Ok, on masque notre œil gauche, les mecs. C'est parti. C, 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 C. Oula, fuck. C, C, C. Ok, on masque l'œil droit, les mecs. C, 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 C. Ouais, là j'ai rien raté. Félicitations, il semble que vous percevez correctement les contrastes.
Eh, au moins vous savez, si à Haja vous y arrivez pas, les frères, foncez chez l'orthophoniste. L'esthéticien. Non, pas l'esthéticien, le dentiste. Positionnez-vous à 40 cm de l'écran, ok. Percevez-vous des cercles plus noirs sur le fond vert, le fond rouge, pas de différence entre les deux. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Ah, super. On fait le test en masquant votre œil gauche, ok. Fixez le point dans la grille. Avez-vous l'impression que certaines lignes sont déformées? Ça, je vois. Je vois mon doigt en fait. Là par contre, je suis baisé là. Lui il est easy. Il est par contre à droite, je ne vois rien. Ah si, il y a un 12, vous le voyez? Vous le voyez le 12 à droite ou pas? Mais à mon avis, vous êtes daltonien. Je peux pas compter sur vous pour troll. En fait, je me suis dit, mes viewers, mes vrais viewers, ils vont dire oui, je vois un 12 pour troll les autres viewers. Mais même mes viewers, mes vrais viewers, ils trollent pas. Je suis trop déçu ça. Vous êtes pas mes viewers. On est tous des manipulateurs. C'est juste qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Arrête de nous manipuler. En fait, c'est ça, c'est un cercle vicieux. Quand t'as une réputation de manipulateur et que tu veux prouver aux gens que t'es pas un manipulateur, eh ben ils vont pas t'écouter. Qu'ils se disent que t'es un manipulateur. En fait, je suis piégé. Comment je peux vous prouver que je suis pas un manipulateur sans vous manipuler? Je peux pas. Arrête de me rentrer dans la tête. J'ai l'impression que vous êtes comme ça sur le stream. Ah, ah, non, non. Ne rentre pas dans ma tête. Mais tout le monde est un manipulateur. Tout le monde. Tout le monde. En fait, la race humaine est malsaine. Vous savez qu'il y a un seul animal, enfin animal, espèce vivante sur Terre qui fait du mal aux autres gratuitement? Vous savez qu'il y a que l'homme? Sérieux, l'homme c'est une espèce corrompue les mecs. La vie de ma mère. C'est le seul qui nique son lieu de vie. C'est vrai Moustouf. On est vraiment une espèce infâme, vraiment hein. Est-ce qu'il y a un truc d'immonde que l'homme fait que les animaux ne font pas? Polluer? Ouais, polluer hein. Le mensonge, la tectonique, c'est vrai. Les TikTok. Je pense pas qu'il y ait des animaux psychopathes en vrai. L'esclavage aussi. Si, il y en a une. Il y en a une un peu, mais je sais pas si ça compte. En gros, il y a une île au Japon où il y a beaucoup de chats et beaucoup de tortues. Et en gros, les chats, ils ont développé du racisme. Et ils ont discriminé les tortues. Et depuis, ils les chevauchent pour éviter de marcher. Ils appellent ça Uber-torte. Mais c'est réel, hein. En gros, elles sont forcées à être des Uber. Non, par contre, c'est ça, les frères. Vraiment, vraiment. Genre, quand le chat, il a pas trop envie de marcher, tu vois. Il sort son catphone. Et il ouvre Turtle Bear, comme ça. Il appelle son Turtle Bear. Il met du temps à arriver, par contre. Hein. Il voit, comment ça s'appelle, Uber arrive dans 45 minutes. Il dit, bon, c'est pas grave, j'ai le temps. Et l'Uber torte, il vient. Il monte dedans, tu vois. Après, il y a le chauffeur, il met sa main comme ça sur. Il met sa main sur le siège. Mais il lui parle en tortue, tu vois. Bon, je vous le dis pas en tortue parce que vous comprenez pas le tortue. Mais il dit, ouais, un truc genre, ouais, excuse-moi, tu veux à boire, tu veux un bonbon. Vrai de vrai, il lui fait comme ça. Mais ils se comprennent entre eux. Vous avez déjà vu une tortue sans carapace? Est-ce que c'est pas l'heure de taper tortue sans carapace sur Google là? Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Regardez sa gueule, on dirait une taupe. Tapeur, on a tiré, j'active le mode, j'ai actionné le code. J'ai le viseur, j'ai la lunette. Vision laser, c'est verrouillé comme dans les films. C'est pas une game, ouais, ouais, j'ai les billets. S'il faut payer, tu disparais, t'es pas serein. Surveille derrière, on te kidnappe, y'a pas de chagrin. J'suis dans la zone, j'suis dans la tête.